ocean, the warmest, often tempestuous, origin to some of the world's earliest civilizations, a grand stage of exploration, trade and conquest with Chinese, Arab, African, Indian and European ambitions. Kings and queens, spice traders and pirates all sought riches in the lands and islands of these waters. Now those that come to seek riches here are no longer armed with cannons and guns. Instead, they come with large nets and long lines to catch a treasure hidden deep in this ocean, the tuna fish. Not much is known about the tuna's behavior and migratory pattern, only that schools of tropical tuna do not rest in any one part of the Indian Ocean for long. Yellowfin tuna, big-eye tuna and skipjack tuna species are the most fished tropical tuna species in the Indian Ocean, with a yearly catch of 800,000 tons and a landed value of $1 billion. Two-thirds of the tuna are caught in the western Indian Ocean, where French, Spanish, Japanese, Taiwanese and Indonesian boats are the leading industrial fishing fleets. 34 countries of the Indian Ocean, Europe and Far East Asia are fishing, processing and trading tuna, a food resource that many countries of the Indian Ocean depend on for their economic growth. The Indian Ocean Tuna Commission is at the helm of the region's management of tuna resources, but its ship needs a clear vision of the path ahead. It cannot decide whether to restrict fishing without a clear idea of how many tuna there are in the Indian Ocean. There have been such large increases in the catches in the past 20 years, and the scientists and all the community in general are very concerned about what is the future and what is the current status, and they want answers delivered quickly. Faced with the unknown, searching the deep blue of the ocean, the Indian Ocean Tuna Commission chose a method of collecting data that is the fastest to date, a large-scale tuna tagging project, one that would deliver the numbers on the population size of the tuna with unparalleled speed. This means tagging a large number of yellowfin, skipjack and big-eye tuna species, then waiting to see how many are recaptured by fishing vessels across the ocean. The proportion of tagged fish in the catches will provide the researchers an indication of the size of the tuna populations and the rate at which they are being fished. The tagging project was granted €14 million by the European Development Fund, a grant that was channeled through the Indian Ocean Commission based in Mauritius. The tuna resources are an important resource of the region. There's lots of discussion how much of this resource is still there, how to manage it, how to ensure that it is a sustainable resource, that it is responsibly managed in the long term. To know this, to do this, you need information, you need a good database. So this tagging, tuna tagging program is in a way the vehicle, the instrument to start with to get this information. Le temps constitue une des ressources qui génère le plus de fonds en quelque sorte pour nos pays, pour nos îles. Et en 2003, il y avait eu une certaine inquiétude concernant le stock de thon dans l'océan Indien et les Seychelles et Maurice se sont regroupés pour étudier et pour réunir les autres îles pour qu'on réfléchisse sur l'état de notre stock dans l'océan Indien. La commission de l'océan Indien donc pensait qu'il était utile de confier à un organisme technique compétent le travail de maître d'œuvre de tout ce qui concerne la connaissance du thon dans l'océan Indien. Et c'est pour cela que la CTOI a été choisie pour être le partenaire de la COI pour ce travail, pour ce programme de marquage de thon. In May 2005, the regional tuna tagging project began with an international team of scientists, technicians, fishermen, captains and administrators preparing for large-scale tagging operations. Two Spanish Basque Poland Line fishing boats, the Aitefrescu and the Kermancho, together with their Spanish Basque captains and their crew of Senegalese, Venezuelan and Tanzanian fishermen, left Port Victoria for the high seas. Their target, to catch and tag and release at least 80,000 tuna fish. To catch the tuna alive and kicking in good condition is no easy endeavour.
There are different techniques for catching tuna, but the only one that you can use for large-scale tagging is pole and line. That means that you will catch the fish with a pole and a line, but you need baits. And this is one of the drawbacks of the technique. And the bait need to be alive, which is even more difficult. And then when you have all these things, your boat, your bait alive on board, then you go at sea and then you have to find the tuna. The Aita Frasco and Kermancho travel to the seas of Oman, Tanzania and northwest Madagascar to catch sardines, anchovies and mackerel that are used to entice the tuna onto a line. With the live bait on board, the captains then track for tuna, mainly in the southwest Indian Ocean, the Mozambique Channel, off the coast of Tanzania, or off Seychelles. With the discovery of schools of tuna, the bait is released, and the fishing begins. The tuna are caught using barbless hooks so that they don't get hurt and can be released back into the sea alive. Throwing live tuna back into the sea might seem an act of pure madness in the eyes of ordinary fishermen, who would see this as a waste of time and money. They are out of the ordinary, members of the tagging team, and the science of this project is on their minds. To them, releasing live tagged tuna back into the sea does indeed make sense. Comme moi, quand je fais les marquages, quoi, ça va aider aussi pour ce qu'on a fait pour les projets là, les stock assessment, pour l'assessment du stock du thon. Et pour moi, ça me plaît beaucoup, quoi, pour travailler avec. Et finalement, pour avoir les résultats, quoi, c'est la très bonne chose. This simple yellow plastic dot tag has a number and the address of the Indian Ocean Tuna Commission in the Seychelles Islands. With this tag, the main goal is to measure the exploitation rate of the three species of tuna in the Indian Ocean. Then to study the movement of the fish, because we have the position at the release and the position at the recovery. Also to study the growth of the fish, because we have the length of the tuna at the release and the length at the recovery. Tuna are attracted to light, as well as anything that floats in the sea, like a boat. The Aita Frasco and the Kermancho use this combination to become floating fish magnets. The tuna use the boat like a hub, a tuna hub, where they come and go, sometimes staying for a few days with the boat or a few weeks, even months, and then they leave in different directions. Here the Aita Frasco has turned on all her lights to attract the tuna, while the Kermancho has turned hers off. He has a very large school of associated tuna underneath the vessel on the starboard side, and we are going to go around her stern and slow down, and the Aita Frasco will then switch off all their lights. So the school of tuna will then move across to this vessel with all the lights on. The tuna are always attracted to the lights. As soon as we see on the sonar, or the captain sees on the sonar, that the tuna are moving, he will instruct the captain of the Aita Frasco to start to leave. The Aita Frasco will then leave with as much speed as possible with all the lights switched off. This fish will continue to come to the side of this vessel for quite some time after, but this method has been successful now throughout the project.
The carmancho will catch the tuna in the morning, but this time the tuna will be wearing a new kind of tag, a white tag. Skipjack 4 or 5. The second kind of tag we are using for the regional tuna tagging project is a chemical tagging, what we call. We are injecting some antibiotic, the oxytetracycline, to the fish, and this antibiotic will leave a mark in every bone of the fish, and especially in what we call the otoliths. The otolith is situated in the ear of the fish, which is growing like a tree. Every day there is a new deposit of a new ring. So when you inject the antibiotic, you will leave a white mark and you can calculate the growth of the fish. White tag indicates that we have to collect the otolith when we recover the fish. The time is 6:06:49 UTC. Great care is taken to give the fish enough water to keep it alive for the minute that it is kept out of the sea. This is the most delicate tag used in the regional tuna tagging project. Surgery is carefully performed on the fish, and this archival tag is inserted into the belly of the fish. It is quickly sewn up and a red tag is placed on its back. This tag is a microcomputer and is recording several parameters which will help the scientists to understand the behavior of the fish. The computer records the depth with the pressure, records the internal and external temperature, and records the light level. And the light level, you can calculate the latitude and the longitude where the fish was, so you can have a better idea of the movement between the release point and the recovery point. So far we released 128 of this tag, which are very valuable, but they are completely dependent of the recovery of the fish. A second kind of electronic tag that the project is starting to deploy is the pop-up tag. It is implanted in the back of the tuna and records the same parameters as the archival tag, but it detaches itself from the fish after a while and floats to the surface and transmits the data via satellite. Capture. The tagging team has recaptured these tagged tuna. Their tag numbers are recorded and are released. Mon 0, Mon 1. You know that when we tag fish, some people say, yes, but you will probably harm the fish. So some will die or some they will just fly away. But what we found out is that the fish are coming back. And in fact, there was a joke on board because the fish were coming in once tagged, they were recaptured again. Some came 7 times. They were caught 7 times after they got tagged. And many of them come 1, 2, or 3 times more. By the end of 2007, more than 168,000 tuna had been tagged, just over twice the original 80,000 target. Apart from the large-scale regional tuna tagging project, a series of smaller-scale tagging programs are taking place in other areas of the Indian Ocean. This one is in the waters of the Lakshadweep Islands of India. Altogether, they form part of the overall Indian Ocean Tuna Tagging Project run by the Indian Ocean Tuna Commission. Nearly 70% of the tagged tuna are recovered in the Seychelles Islands, as the Seychelles capital's Port Victoria is the busiest tuna port in the Indian Ocean.
A substantial amount are found at sea or in ports and canneries in Mauritius, Madagascar, Kenya, Tanzania, the Comoros, and Thailand. This is the way that most of the yellow, white, and red tags are found. The large industrial fishing boats catch the tuna, and when the boat reaches a port, a stevedore catches sight of the tag while the fish are offloaded from the Persena well. The length of the tuna, the species, and its weight are noted on a tag recovery form, along with the well number that will determine the position of capture and the date the tuna was caught. When the fish has a white tag, the head of the fish is handed over to the tag recovery officer so that the otolith can be examined. And when the red tag is found, the archival tag is extracted from the belly of the fish. Stevedores have a strong incentive to find the tags and hand them over to a recovery officer. They get a reward from the choice of a t-shirt, cash, a school kit, or even a raincoat. The more they find, the more rewards they get in return. Definitely the most important element in recovering the tags is the help, the network that we're getting of the local governments, local companies, stevedores, agencies, even NGOs. So this is what we really depend on, the goodwill of everybody and the participation of everybody in this project. In this Kenyan tuna cannery, one of the cannery workers spotted this tag during the sorting of the fish. In each cannery that is part of the tag recovery network, a different kind of reward system is in place. And one of the most popular rewards is a mobile phone prepaid card. The tagging project has correspondents in 17 countries of the Indian Ocean, Europe and Asia, and a national coordinator for tag recoveries in 5 countries with the largest number of tag recoveries. This elaborate network ensures that advertising, education and recovery of tags can take place locally in the local language. The Indian Ocean has the largest number of tuna fishing communities, and artisanal fisheries are part of the cultural and economic development of their coastlines. Fishermen find the tag tuna on their lines, showing curiosity when they find plastic on the fish, eager to claim a reward for the tag. Jean-Pierre Allier keeps a track of all the tagging and recovery results as they arrive from around the world. One of the most important results of this tagging project has been the long amount of time that the tagged fish have spent swimming in the ocean before they are recaptured. Generally, in a lot of tagging program of that sort, what do you have in the distribution of time at liberty? You have a lot of fish that have been recaptured in 2 weeks, 1 month, or 1.5 months, and then the number is going down very quickly. But one of the success of the project is that, in fact, the bulk of the catch of the fish happen 4, 5, 6, 7 months after tagging, which give us a time at liberty which is very long. And the important thing for that is based on what we call the mixing. That means that we tag fish, so we identify some fish in particular. That these fish, they need to mix in all the rest of their conspecies, otherwise you bias your results. Tagged yellowfin and skipjack tuna have stayed at sea for an average of 6 months before being recaptured by a fishing vessel, and big eye tuna an average of 9 months.
The first tag was recovered at the end of May 2005, and for the whole of that year there was an average of 50 tag recoveries a month. By April 2007 there was a peak, with nearly 1,700 tags recovered, the most for any single month to date. More than 26,000 tags, or 15% of the total tags released, have been recaptured and reported. Generally, the picture for tropical tuna tagging is that most of the tuna will move within a few hundred miles from the tagging spot, or 1,200 miles, but there are always a few fish that move very far. And what we have for the moment, we have some fish moving from Madagascar in the Mozambique Channel to Seychelles, to Sri Lanka, to Maldives, to Arabian Sea. We have also some fish that move also from the Tanzanian area, from this Associated School, to Oman and Iran. And we have also a big eye on a skipjack that almost crossed the whole ocean. It goes from the African coast of Tanzania near the coast of Indonesia, Sumatra. Not only do the tagged fish swim long distances, but also some that are caught in the Indian Ocean waters are then transshipped for processing to canneries as far as Ecuador, Colombia, Spain and Japan. Tag recoveries have been recorded in 18 different countries of the Indian Ocean and beyond. The project's data was first used at the Indian Ocean Tuna Commission's Working Party on Tropical Tunas in October 2008. By combining the tagging data with catch and size frequency information, scientists were able to, for the first time, undertake an integrated assessment of the ocean's yellowfin tuna resource. The tagging data enriched the assessment with a lot of valuable information, especially regarding estimates of fishing mortality, recruitment, and the exploitable biomass in the ocean's main fishing area. This integrated assessment is not definitive and will be further refined over the coming years. In the meantime, the project's precious tags will continue to be recovered from large tuna which have now been at liberty for long periods of time since being tagged. This information is of particular interest to fisheries scientists in order to have a better growth curve for the three species of tropical tunas. Tuna is one of the most savoured fish in the Indian Ocean, and indeed all over the world. A precious resource that member nations of the Indian Ocean Tuna Commission are keen to protect, so that tuna continues to add spice and flavour to the trade and commerce, as well as the dishes and grills of the Indian Ocean. The results will help you reduce the uncertainty about the situation of the stocks, and that could work either way. If the results indicate that we need to protect the resource, then the countries will be able to make decisions and take actions rather quickly. And obviously that will include reducing catches, controlling fleet sizes, whatever it needs to be done. If it indicates that it's not the case, then we can continue monitoring, but the need for immediate action will be less. No matter what action is taken, it is certain that the data supplied by this ambitious project will be of use to the scientific community for many years to come. Thank you.
l'océan Indien, le plus chaud, battu par les tempêtes. À l'origine de certaines des premières civilisations, un terrain d'exploration, de commerce et de conquête, avec des ambitions chinoises, arabes, africaines, indiennes et européennes. Rois et reines, commerçants d'épices et pirates, tous ont cherché les richesses des terres et des îles de ces eaux. Aujourd'hui, ceux qui viennent chercher ces richesses ne sont plus armés de canons et de fusils. Ils viennent avec de grands filets et des palangres pour attraper un trésor profondément caché dans cet océan, le thon. Dans l'océan Indien, l'albacore, le patudo et le listao sont les espèces de thons tropicaux les plus pêchées, avec une prise annuelle de 800 000 tonnes et une valeur au débarquement $1 milliard. Les deux tiers de ces thons sont pêchés dans l'océan Indien occidental, où les bateaux français, espagnols, japonais, taïwanais et indonésiens constituent les principales flottilles industrielles. 34 pays de l'océan Indien, d'Europe et d'Extrême-Orient pêchent, traitent et font le commerce du thon, une ressource alimentaire de laquelle dépendent les économies de beaucoup de pays de l'océan Indien. La Commission des thons de l'océan Indien est à la barre de la gestion des thons dans la région, mais elle a besoin d'avoir une vision claire de la situation. Par exemple, elle ne peut décider de limiter la pêche sans avoir une idée précise sur le nombre de thons présents dans l'océan Indien. There have been such large increases in the catches in the past 20 years, and the scientists and all the community in general are very concerned about what is the future and what is the current status, and they want answers delivered quickly. Face à l'inconnu, cherchant dans le grand bleu, la Commission des thons de l'océan Indien a choisi la méthode de collecte de données la plus rapide connue à ce jour. Un programme de marquage de thons à grande échelle qui permettrait d'estimer rapidement la taille des populations de thons tropicaux. Cela signifie marquer un grand nombre d'albacores, de listao et de patudo, puis de voir combien sont recapturés par les bateaux de pêche dans l'ensemble de l'océan. La proportion de poissons marqués parmi les captures donnera aux chercheurs des indications sur la taille des populations de thon et sur leur taux d'exploitation. Le projet de marquage a reçu un financement de 14 millions d'euros du Fonds européen de développement à travers la Commission de l'océan Indien basée à l'île Maurice. The tuna resources are an important resource of the region. There's lots of discussion how much of this resource is still there, how to manage it, how to ensure that it is a sustainable resource, that it is responsibly managed in the long term. To know this, to do this, you need information, you need a good database. So this tagging, tuna tagging program is in a way the vehicle, the instrument to start with to get this information. Le thon constitue une des ressources qui génère le plus de fonds, en quelque sorte, pour nos pays, pour nos îles. Et en 2003, il y avait eu une certaine inquiétude concernant le stock de thon dans l'océan Indien, et les Seychelles et Maurice se sont regroupés pour étudier et pour réunir les autres îles pour qu'on réfléchisse sur l'état de notre stock dans l'océan Indien. La commission de l'océan Indien donc pensait qu'il était utile de confier à un organisme technique compétent le travail de maître d'œuvre de tout ce qui concerne la connaissance du thon dans l'océan Indien, et c'est pour cela que la CTOI a été choisi pour être le partenaire de la COI pour ce travail, pour ce programme de marquage de thon. En mai 2005, le projet régional de marquage de thon a démarré avec une équipe internationale de scientifiques, techniciens, pêcheurs, capitaines et administrateurs se préparant pour des opérations de marquage à grande échelle. Deux canneurs basques espagnols, Laika Frascu et le Carmancho, avec leurs capitaines basques espagnols et leurs équipages sénégalais, vénézuéliens et tanzaniens, ont quitté le port de Victoria aux Seychelles pour la haute mer. Leur objectif, capturer, marquer puis relâcher au moins 80 000 thons. Capturer du thon vivant et en bon état n'est pas facile. Il y a différentes techniques pour pêcher le thon.
mais la seule que nous puissions utiliser pour le marquage à grande échelle, c'est la canne. Cette technique, vous devez utiliser des appâts vivants. Et c'est un des inconvénients majeurs de cette technique. Mais une fois que vous avez les appâts vivants à bord dans vos viviers, vous pouvez partir en mer chercher le thon. Laïta Frascu et le Kermancho ont parcouru les eaux de Mans, de Tanzanie et du nord-ouest de Madagascar pour capturer des sardines, des anchois ou des maquereaux qui sont utilisés pour appâter les thons. Avec l'appât vivant à bord, les capitaines traquent les thons dans le canal du Mozambique au sud-ouest de l'océan Indien, au large des côtes de Tanzanie ou celles des Seychelles. Lorsqu'un banc de thon est repéré, de l'appât est jeté à la mer. Et la pêche commence. Les thons sont attrapés à l'aide d'hameçons sans ardillon, afin d'éviter qu'ils ne soient blessés et de permettre leur remise à l'eau en vie. Rejeter des thons vivants dans la mer serait considéré comme un acte de pure folie aux yeux d'un pêcheur ordinaire, qui verrait cela comme une perte de temps et d'argent. Mais ces pêcheurs sortent de l'ordinaire. Ils sont membres de l'équipage de marquage et ont à l'esprit l'aspect scientifique de ce projet. Pour eux, rejeter des thons vivants à la mer a un sens. Comme moi, quand je fais le marquage, quoi, ça va aider aussi pour ce qu'on a fait pour les projets, là, les stock assessment, pour l'assessment du stock du thon. Et pour moi, ça me plaît beaucoup quoi, pour travailler avec. Et finalement, pour avoir les résultats, quoi, ce sera une très bonne chose. Cette simple marque en plastique jaune porte un numéro unique et l'adresse de la Commission des thons de l'océan Indien basée aux Seychelles. Avec ce type de marque, le but principal est de mesurer le taux d'exploitation des trois espèces de thons tropicaux de l'océan Indien. Nous pouvons aussi en étudier les mouvements, puisque nous allons voir la position au moment du marquage et aussi au moment de la recapture, et en mesurer la croissance, puisque nous mesurons le poisson au moment où nous lui implantons la marque, mais aussi lorsqu'il sera récupéré. Les thons sont attirés par la lumière et aussi par tout ce qui flotte à la surface de la mer, comme un bateau. Laïta Frascu et le Kermancho utilisent cette combinaison pour attirer les poissons. Les thons se servent du bateau comme d'une plateforme de concentration, où ils vont et viennent, restant avec le bateau pour quelques jours, quelques semaines, voire des mois, pour ensuite repartir dans différentes directions. Ici, Laïta Frascu a allumé toutes ses lampes pour attirer les thons, tandis que le Kermancho a éteint les siennes. He has a very large school of associated tuna underneath the vessel on the starboard side, and we are going to go around her stern and slow down, and the Laïta Frascu will then switch off all their lights. So the school of tuna will then move across to this vessel with all the lights on. The tuna are always attracted to the lights. As soon as we see on the sonar, or the captain sees on the sonar, that the tuna are moving, he will instruct the captain of the Laïta Frascu to start to leave. The Laïta Frascu will then leave with as much speed as possible with all the lights switched off. This fish will continue to come to the side of this vessel for quite some time after, but this method has been successful now throughout the project. Le Kermancho attrapera des thons le lendemain matin, mais cette fois les thons porteront un autre type de marque, une marque blanche.
jack 4-5. Le deuxième type de marque que nous utilisons pour le projet régional de marquage de thon ici dans l'océan Indien est une marque chimique. En effet, nous injectons les poissons avec un antibiotique, l'oxytétracycline, qui laissera une marque dans toutes les pièces calcifiées du poisson, et en particulier dans ce que nous appelons les otolithes. Les otolithes sont situés dans l'oreille interne du poisson et grandissent de la même manière que les arbres. Chaque jour, un nouvel anneau va s'y déposer. Lorsqu'on injecte l'antibiotique, un anneau blanc s'y déposera et nous pourrons alors calculer l'âge du poisson et aussi en mesurer sa croissance. La marque blanche, elle, va indiquer qu'il faut récupérer la tête du poisson pour pouvoir en extraire les otolithes. The time is 6:06:49 UTC. Il faut faire attention à fournir au poisson assez d'eau pour le garder en vie pendant la minute où il est à l'air libre. Voici la marque la plus fragile utilisée par le projet régional de marquage de thon. Une opération chirurgicale est réalisée sur le poisson et cette marque archive est insérée dans sa cavité abdominale. Il est vite recousu et une marque rouge est placée sur son dos. Donc cette marque est un micro-ordinateur que nous implantons dans le ventre du poisson, dans sa cavité abdominale, et qui va enregistrer plusieurs paramètres qui aideront les scientifiques à comprendre le comportement du poisson. En particulier, elle va enregistrer la profondeur à travers un capteur de pression, mais aussi les températures internes et externes, ainsi que la luminosité. Et cette dernière va nous permettre de calculer les latitudes et les longitudes pendant le déplacement du poisson, ce qui nous permettra de mieux suivre son mouvement entre le moment où nous l'avons marqué et le moment où il sera repêché. Un deuxième type de marque électronique que le projet a déployé est une marque dite pop-up. Elle est fixée sur le dos du thon et enregistre les mêmes paramètres que la marque archive. Mais elle se détache du poisson après un certain temps et flotte jusqu'à la surface pour transmettre ses données par satellite. L'équipe de marquage a recapturé des thons marqués. Leurs numéros sont notés et ils sont à nouveau relâchés. Il y a effectivement des gens qui nous disent mais vous allez blesser les thons pendant le marquage et ils mourront. Mais en fait, ce que nous avons observé, c'est qu'il y a beaucoup de thons qui reviennent rapidement. Il y a même d'ailleurs une blague qui circulait à bord à propos des poissons qui sont recapturés jusqu'à 7 fois, beaucoup, une fois, deux fois, trois fois. Nous disions à ces poissons, désolé, la distribution des marques, c'est la première fois. Fin 2007, plus de 168 000 thons avaient été marqués, soit un peu plus de double de l'objectif initial qui était de 80 000. 63, elephant. En plus de la phase principale, le projet régional de marquage de thon, une série d'opérations à petite échelle est également développée dans d'autres parties de l'océan Indien. Celles-ci se déroulent dans les eaux des îles Lakshadweep en Inde. Ensemble, elles font partie du grand programme de marquage de thon de l'océan Indien, géré par la Commission des thons de l'océan Indien. Presque 70% des thons marqués sont récupérés aux Seychelles, car le port de Victoria, capitale des Seychelles, est le port le plus actif de l'océan Indien pour la pêche thonnière. Beaucoup sont aussi retrouvés directement en mer, ainsi que dans les ports et conserveries de l'île Maurice, de Madagascar, du Kenya, de la Tanzanie, des Comores et de la Thaïlande. La plupart des marques jaunes, blanches et rouges sont retrouvées de cette manière. Les grands navires de pêche industrielle attrapent le thon et quand le bateau arrive au port, un docker découvre la marque pendant le déchargement du poisson depuis la cuve d'un senneur.
La taille du thon, son espèce et son poids sont notés sur un formulaire de récupération avec le numéro de la cuve qui déterminera la position et la date de pêche du thon. Quand le poisson porte une marque blanche, sa tête est récupérée par un assistant de récupération afin que les otolithes puissent être extraits. Et lorsqu'une marque rouge est découverte, la marque archive est retirée du ventre du poisson. Les dockers sont invités à retrouver les marques et à les ramener aux assistants de récupération. Ils reçoivent une récompense et ont le choix entre un t-shirt, de l'argent, du matériel scolaire ou même un imperméable. Plus ils retrouvent des marques, plus ils reçoivent de récompenses en échange. Definitely the most important element in recovering the tags is the help, the network that we're getting of the local governments, local companies, stevedores agencies, even NGOs. So this is what we really depend on, the goodwill of everybody and the participation of everybody in this project. Dans cette conserverie au Kenya, l'un des travailleurs a repéré cette marque lors du tri du poisson. Dans chaque conserverie qui fait partie du réseau de récupération des marques, un système différent de récompenses est mis en place et l'une des récompenses les plus populaires est la carte prépayée pour téléphone portable. Le projet de marquage a des correspondants dans 17 pays de l'océan Indien, d'Europe et d'Asie et un coordinateur national pour la récupération de marques dans les 5 pays avec le plus grand nombre de recaptures. Ce réseau complexe assure que la publicité, l'information et le retour des marques puissent se faire dans les langues locales. L'océan Indien a le plus grand nombre de communautés de pêcheurs de thon et les pêcheries artisanales font partie du développement culturel et économique des zones côtières. Des pêcheurs trouvent au bout de leur ligne des thons marqués et ce bout de plastique planté sur le dos du poisson éveille leur curiosité et leur appétit pour la récompense. Jean-Pierre Allier suit tous les résultats de marquage et de recapture qui arrivent du monde entier. L'un des résultats les plus intéressants obtenus au cours de ce projet a été les longues périodes de temps écoulées entre le marquage et la recapture, le temps de liberté. Dans ce genre de projet, vous observez en général beaucoup de poissons qui sont recapturés rapidement, au bout de 2 semaines, 1 mois, voire 1 mois et demi. Et ensuite, leur nombre diminue très vite. Un des grands succès du projet, c'est qu'on a beaucoup de poissons, en fait une grande majorité, qui sont recapturés 4, 5, 6, voire 7 mois après leur marquage. Et ça, c'est un point essentiel, car on a une hypothèse très forte qu'on appelle le mixing ou mélange. C'est-à-dire que nous avons identifié des thons et ils doivent pouvoir se mélanger dans le reste de la population, donc être capturés au bout d'un certain temps. Les albacores et listaos marqués sont restés en mer en moyenne 6 mois avant d'être recapturés par un bateau de pêche. Pour le patido, cette moyenne est de 9 mois. La toute première marque a été récupérée fin mai 2005. Et pour tout le reste de cette année, une moyenne de 50 retours de marques a été enregistrée chaque mois. Puis les retours ont augmenté et au mois d'avril 2007, un maximum de plus de 1700 marques récupérées a été atteint. Un record mensuel jusqu'à aujourd'hui. Plus de 26 000 marques, soit 15% du total de poissons relâchés, ont été maintenant recapturés et déclarés. Alors le schéma habituel dans le marquage des thons tropicaux pour les déplacements, c'est beaucoup de poissons qui ont des déplacements de quelques centaines de milles à partir du marquage.
Mais vous avez toujours quelques individus qui, eux, se déplacent très loin. Et dans le cas du projet, on a marqué, par exemple, dans le canal du Mozambique, près de Madagascar, et ces poissons ont été récupérés au large de Sri Lanka, des Seychelles, des Maldives, voire en mer d'Arabie. Nous avons aussi des poissons qui ont été marqués au large de la côte tanzanienne, dans le banc associé, et qui ont été récupérés près de l'Iran ou d'Oman. Et enfin, il y a un patudo et un listao qui, eux, ont carrément traversé tout l'océan, marqués au large de l'Afrique. Ils ont été récupérés au large de l'Indonésie, près de Sumatra. Non seulement les poissons marqués nagent sur de longues distances, mais certains qui sont pêchés dans les eaux de l'océan Indien sont ensuite transbordés pour être traités dans les conserveries aussi loin que l'Équateur, la Colombie, l'Espagne ou le Japon. Des retours de marques ont été enregistrés dans 18 pays différents dans l'océan Indien et bien au-delà. Les données du projet ont été utilisées pour la première fois lors du groupe de travail de la Commission de thon de l'océan Indien sur les thons tropicaux en octobre 2008. En réunissant les données de marquage avec des informations sur les prises et les fréquences de taille, les scientifiques ont pu, pour la première fois, réaliser une évaluation intégrée de la ressource d'albacore de l'océan Indien. Les données de marquage ont enrichi l'évaluation en apportant beaucoup d'informations précieuses, en particulier concernant les estimations sur la mortalité par pêche, le recrutement et la biomasse exploitable dans la zone de pêche principale de cet océan. Cette évaluation intégrée n'est pas encore définitive et sera affinée au cours des prochaines années. Entre-temps, les marques précieuses du projet continueront à être recapturées, en particulier pour des thons de grande taille restés en mer pendant de longues périodes depuis leur marquage. Ces informations sont particulièrement intéressantes pour les scientifiques afin d'obtenir une meilleure courbe de croissance pour les trois espèces de thons tropicaux. Le thon est l'un des poissons les plus savoureux de l'océan Indien et dans le monde entier. Une ressource précieuse que les pays membres de la Commission des thons de l'océan Indien tient à protéger afin que le thon et son goût continuent de faire partie du commerce et de la cuisine de l'océan Indien. The results will help you reduce the uncertainty about the situation of the stocks, and that could work either way. If the results indicate that we need to protect the resource, then the countries will be able to make decisions and take actions rather quickly. And obviously that will include reducing catches, controlling fleet sizes, whatever it needs to be done. If it indicates that it's not the case, then we can continue monitoring, but the need for immediate action will be less. Peu importe les mesures prises, il est certain que les données fournies par ce projet ambitieux seront utiles à la communauté scientifique pendant de nombreuses années.